Ça me fait tellement plaisir de vous rencontrer à nouveau. Je m'étais ennuyée de faire des vidéos, je dois vous avouer sincèrement que je m'ennuyais de ça. C'est beaucoup de travail par contre, mais c'est ce que j'aime faire le plus au monde, crocheter. Et j'aimais aussi tricoter, jadis, mais je suis tellement pas bonne parce que je dois lâcher mes broches, faire le tour avec le fil, reprendre mes broches. J'arrive à le faire, mais je suis pas bonne. Ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai trouvé la machine pour tricoter. Ça tricote des panneaux, ça tricote des cercles. C'est une tricoteuse. Je vous la montre et je vous montre tout ce qu'on peut faire avec ça. C'est quand même exceptionnel. Et il y a une petite drôlerie qui vient avec ça. Je vous l'explique, je vous la montre. Je vous présente la beauté. C'est une Centro. J'ai acheté ça sur Amazon aux environs de 70 $. C'est une 48 aiguilles. On calcule les aiguilles par les petits crochets ici. Tout ce qu'on a à faire, c'est de tourner la poignée. Et ça tricote tout seul. Pourquoi j'ai un petit bouton noir? C'est pour m'indiquer le début du rang. C'est la seule aiguille qui est blanche à travers toutes les autres. Ça, ça fait des tucs. Ça fait des mitaines. Ça fait des bandeaux. Et j'ai un petit bouton ici qui est pour T pour en rond et P pour panneau. T pour un tour et T pour panneau. Panneau, ça veut dire que il va faire un côté, on revient. On s'en va et on revient comme ça. Tandis que si on le met à T pour tour, c'est un cercle continu. Et ça c'est ce que je trouve le plus drôle dans ça. C'est un petit adapteur qu'on met... Ben, je vais vous le montrer un peu plus près tantôt. Là, je ne sais pas, vous ne voyez pas bien. Hein? Qu'on met ici. Et... La magie! C'est tellement fun, ça va tellement vite! Mais le défaut de cette machine, il y a un petit compteur ici. Et le défaut, c'est que ça ne fonctionne pas du tout. Ça peut fonctionner un bout, si vous êtes chanceux, et ça peut s'arrêter un bout aussi. Ce qui fait que c'est difficile de savoir pour une tuque quand arrêter. Quand on a un modèle qu'on aime, une grandeur qu'on aime, il faut y aller à peu près. Parce que quand c'est ici, c'est serré. Quand on le relâche, ça s'étire. Mais il est toujours possible d'avoir un petit détecteur de rang en pesant sur un bouton pour le faire. Mais c'est sûr qu'avec avec ça, ça va tellement vite que c'est impossible de calculer. Mais... Quand on a fait deux ou trois tucs, c'est vrai, je voulais vous montrer ce que ça a l'air, ma tuque. Je vais aller la chercher, je reviens. Ça donne ça, ma tuque. Si vous voyez d'assez près, là, c'est tellement bien tricoté, les mailles sont toutes égales. On peut ajouter un petit pompon, parce qu'au-dessus, ça fait comme ça. Celui-là, c'est mon premier, il y a une longue bordure, parce que je ne savais pas encore les portions. Et ça se profile comme ça. C'est un grand tuyau qu'on rentre un dans l'autre comme une marionnette. C'est ça. On met les bouts ensemble et après ça, c'est le rebord qui est plié. C'est sûr que les autres, je les ai faites un petit peu plus petites, mais ça dépend de la grosseur de la tête. Mais le 48 aiguilles fonctionne aussi bien pour jeunes que pour adultes. Mais il y a une différence entre un plus gros fil et un plus petit fil. On va voir ça. On s'en va à la machine et je vous montre. On s'assure que notre crochet blanc est au départ. On insère le fil dans le crochet et la queue qui va pendre ici, ça va être celle qui va servir à coudre le dessus. Ici, où est-ce qu'on met un pompon ou on n'en met pas, mais ça sert à ça. On s'assure que c'est bien entré à l'intérieur et on fait à l'intérieur du crochet, à l'extérieur du crochet, à l'intérieur, à l'extérieur. On va le faire. Donc là, il est
à l'intérieur, extérieur, intérieur. Et voilà, je suis rendue à mettre dans mon tenseur ici et dans la tension ici. Je garde toujours la main sur le fil pour détecter les nœuds et ensuite on fait le premier rang. Je dois m'assurer que le fil y rentre bien dans le crochet. Ici, on le voit tranquillement. OK, on est parti. Le premier rang, c'est sûr que ça fait clic, clic, clic. Mais après ça, c'est moins bruit. Voilà. Je vais aller plus tranquillement pour qu'on voit bien le travail des aiguilles. Après ça, on peut aller en bonne vitesse. Et ce qu'il y a de plus agréable, c'est qu'on va mettre la perceuse. Et elle est faite ici avec un embout. Fait que la poignée va entrer à l'intérieur. C'est sûr que sur une table, c'est pas la meilleure place, hein? On s'entend. Mais rien ne nous arrête. Et il ne faut pas aller trop vite parce qu'il faut laisser aux aiguilles le temps de faire leur job. Hein? Alors, on s'en va comme ça, avec notre petit bonheur. Moi, je vais faire une tuque pour enfant. Donc, elle va être moins grande qu'une tuque pour adulte. Peut-être que je peux aller un peu plus vite. Je pense que j'ai la bonne grandeur. Si je vais d'un bout à l'autre comme ça, au pire, il y aura un petit rebord. Je vous ai dit que c'était une science pas précise. Je me garde un bon bout de fil qui va me servir à coudre. Et le premier tour, il est fait en enlevant notre fil. Voyez-vous, je l'ai enlevé. On va faire un tour complet comme ça. Ça va permettre à la maille de se terminer au complet. Et je vais enfiler une aiguille. Et avec l'aiguille, je vais venir chercher. Celle-là est un petit peu. J'aurais dû attendre, mais en tout cas. Je vais venir chercher au crochet ici.
Voyez, celle-là, je viens de la manquer. OK. Quand on manque une main, on va la rechercher comme si on faisait du crochet. OK. On continue. Ce qui est important et qui est difficile à faire, c'est vraiment de j'ai pas encore le truc absolu. Ce que j'ai trouvé le mieux, c'est de tenir la maille qui précède et de faire celle que je dois faire. Alors, on ramasse nos mailles complets. On fait le tour. C'est sûr que j'ai eu cet appareil, ça fait à peu près un mois. J'ai pas eu le temps de faire le tour et vraiment de découvrir tous les trucs possibles et impossibles pour me simplifier la vie. J'avais juste le goût de partager avec vous cet outil fabuleux qui fait les choses que j'ai de la difficulté à faire autrement. Tiens, ça va aller plus vite comme ça, hein? Et voilà. Je peux enlever ma machine et je vais vous rapprocher en plus gros plan pour qu'on voit bien comment ça se fait. On a ramassé toutes nos mailles à l'aide de notre petit fil. Tout ce qu'on a à faire, c'est de tirer. Ça va rétrécir l'ouverture ici. Et après, pour bien fermer et faire un beau dessus, on va passer l'aiguille un petit peu partout, à travers toutes les mailles, histoire de fermer comme il faut, d'avoir un beau rond. Alors, on garde quand même une tension. On va faire quelques tours complets. Ça fait au moins deux tours que je fais. Ensuite, on va revenir dans l'autre sens en faisant bien attention de ne pas repasser dans le même trou ici, d'au moins laisser un fil pour pas que ça se défasse, parce qu'on va dans le sens contraire. On fait ça quelques fois. Ça serait bien choquant que notre sucre se défasse du haut. Et je reviens, je laisse un fil et je reviens dans l'autre sens. Voilà.
je peux couper. Et de l'autre côté ici, c'était la petite queue qu'on avait laissée au départ. Alors, on a juste à tirer. Voyez-vous comment c'est merveilleux? On entre à l'intérieur les mailles. Et on tire. Je vais enfiler mon aiguille. Là, j'en ai trop long pour rien. On fait la même chose que de l'autre côté. On tire pour bien fermer. Et on va passer à travers les mailles. Voilà. Quelques tours encore. Ensuite, on s'assure qu'on a un beau dessus. Ensuite, je reviens dans l'autre sens. Je laisse toujours un fil entre. C'est pas une science exacte, là. On peut... L'important... c'est d'avoir un beau dessus. Donc, j'ai été dans un sens, je suis allée dans un sens et je vais revenir dans l'autre. Dans le sens, je suis revenue, donc ça va faire ma deuxième fois. Deuxième sens. Et je reviens dans le troisième sens. C'est vraiment une façon... très, très, très sécuritaire de fermer nos choses. Pour que ce soit à l'épreuve des lavages et à l'épreuve de tout. C'est quand même... oups! C'est quand même très bien. Ce qu'on a à faire, on entre une partie dans l'autre. Alors voilà, c'est une grandeur à peu près enfant. Petit, plus petit, j'aurai un rebord. Sinon, je vais la mettre, vous allez voir ce que ça a l'air. Ah, avant que je la mette, quand on veut faire une mitaine avec, avec ça, ce que j'ai vu, c'est que on cousait cette partie-là avec l'autre partie, c'est comme si notre main allait... oh, je vais le mettre ici. C'est comme si notre main allait à l'intérieur ici. On aurait cousu toute cette partie. On laisse la place libre pour le pouce. Et on coud ici pour le poignet. Donc, ça... puis après ça, on monte la maille ici, alentour, au crochet ou au tricot, pour faire la mitaine. Donc, ça fait une mitaine qui est double. Ça ferait comme ça la mitaine. Moi, je lui ferais un petit poignet au crochet ici. Là. Mais c'est ça une mitaine. Alors, je la mets et vous allez voir ce que ça a l'air. Alors, j'ai des petites identifications que j'ai achetées. Fabriquées à la main en bois. J'en ai en cuir aussi. Ça fait toujours une belle petite finition. Alors, je vous montre... enlever ma pince. Voilà. J'ai pas une tête à chapeau, vraiment pas, mais c'est quand même très bien. Étant donné que c'est double, c'est chaud, c'est plus chaud. Probablement que celui-là, je mettrais un pompon, hein, ça serait cute. Ça donne ça. C'est vraiment bien fait. C'est agréable et ça prend tellement peu de temps. Il y a aussi des chandails qu'on peut faire. J'ai vu quand on fait la fonction panneau, ça fait comme un panneau ici.
De l'autre côté, ça fait un panneau et on fait une couture. Je verrais très bien une couture comme quand on porte un vêtement à l'envers ici. La même chose en arrière. Et pour les manches, c'est en continu. Le cercle, la même chose que ça, sauf qu'on ferme pas le haut, on ferme pas le bas. Il y a une technique différente, mais ce serait les manches. Alors, ça doit être magnifique. J'ai essayé de faire des panneaux. Je me suis essayé 6 fois. Sur un côté, ça fonctionne, de l'autre côté, ça fonctionne pas. Il y a quelque chose que je comprends pas. Mais je viens juste d'avoir la machine. Donc, j'ai le temps de regarder des tutoriels parce qu'il y en a à l'infini des tutoriels avec les tricoteuses. J'ai le temps de regarder ça et de peaufiner ma technique pour que ce soit très agréable. Alors, je vous dis à la prochaine et j'espère que vous avez aimé ma nouveauté. Alors, moi, j'apprends à travailler puis peut-être qu'on aura un autre projet à montrer. À la prochaine.